toujours ces graffitis dégoûtants. Oh, il est pas mal celui-là. On va le signaler au gardien. Ah bah non, il va l'effacer. Oh, je sais bien, monsieur Picotin. C'est la troisième fois en 10 jours. C'est un jeune du quartier qui fait ça. Mais j'arrive pas à savoir qui. T'as une idée, toi, Jopy? Non, pas. Mais il est beau, ce tag. On pourrait le garder. Ne dis pas de bêtises, Ariol. Recopie-le si tu veux, mais dans ta chambre. Mais pas sur ton mur. On est bien d'accord. Si au moins il faisait ça au fond de la résidence, derrière la haie. Mais pas sur la porte du garage. Allez, salut, à demain. Psst, Ariol. Ah, salut, Jopy. T'as une minute, là? Oui. Alors suis-moi, je vais te montrer un truc. Où on va? Au mur du fond, vas-y, passe. Mais c'est mon sac qui accroche. Chut, attends, je t'aide. Waouh, c'est super. Tu sais garder un secret? Oui. Sur les oreilles de ta mère? Oui, oui. Les tags sur les murs de la résidence, c'est moi qui les fais. Sans blague? Mais tu dis rien à personne surtout, hein. Vu que c'est mon père qui les efface, ça le rendrait fou s'il le savait. Et tu les fais avec quoi? À la bombe. Tu veux essayer? C'est que mon père, il est pas trop d'accord. Personne ne nous voit. Tiens, t'as qu'à écrire un mot que t'aimes. Qu'est-ce que t'aimes comme mot? Le chevalier cheval. C'est trop long, faut un truc plus court, hein. T'es pas amoureux d'une fille? Ben si, mais j'ai jamais osé lui dire. Justement, le tag, ça sert à ça. Si tu fais un chouette tag pour cette fille, elle va comprendre que tu l'aimes bien. Tu vas voir, ça marche. C'est ça, le tag. C'est un cri qui sort d'un coup. C'est de l'art. Ah oui, oui, j'ai compris. À toi de jouer. Et referme la cachette en partant, surtout, hein. Faudrait pas qu'on soit repéré. Ok, merci, Jopy. Alors, un cri. Un cri qui sort d'un coup. Cachette. Vas-y. Aïe! Mes cheveux! Attends, je t'aide. Alors là, il faut que tu fermes les yeux et que tu me donnes la main. C'est pas une blague, hein? Non, non, n'aie pas peur. Tu vas voir, j'ai fait un dessin pour toi. Enfin, un tag. C'est de l'art. Enfin, regarde, tu comprendras. Tu m'as amené ici pour te moquer de moi? Mais non, mais pourquoi? Alors c'est toi. C'est toi qui as fait des mochetés sur les murs du quartier. Oh, je vais le dire à mon père. Et à ton père aussi. À la police même. Non, mais attends, je vais t'expliquer. Petula!